Lundi de fin d'après-midi, 21 octobre 2024, un beau lundi, ensoleillé. J'ai travaillé dehors jusqu'à midi et demi, soufflé de la feuille. Là, j'étais prendre une bonne collation, puis là, je m'en viens pratiquer du billard. Jusqu'à 4 heures. Le chantier va commencer, une boule sur la table. Il faut que je frappe la 1. Quand tu joues au nine ball, il faut que tu frappes le plus petit numéro sur la table. Là, c'est la 1. Mais pas bien dur à frapper hein, dans la droite ligne. Ça fait qu'avec ça, c'est sûr que je pourrais faire des coups défensifs. Ou même des joueurs qui l'assaileraient la 1 traverse ici, dans le coin. Coups défensifs, il y en a plusieurs. Là. La coupe à moitié. La viande, ça va sur un site, puis ici. La 1, ça vient ici. Ou ta coupe mince ici. La 1, ça va sur un site, puis ici. La viande, une rail, deux rails ici, en arrière. Il y a beaucoup de coups de safety shots pour faire avec ça. Mais au lieu de ça, au lieu de faire un safety shot, moi, je collerais le 9 dans le coin là. Parce qu'il se manque pas. Tu regardes le jeu avant de jouer ça à un ou n'importe quoi. Tu regardes le jeu. Les bons joueurs, ils ont vu certainement le coup. D'autres, ils l'ont pas vu. D'autres, ils jouent à save ou une traverse dans le coin ici d'en bas à 100 000 à l'heure. Ça fait qu'en coupant la 1 mince, mais pas mince, à peu près un quart de la jambe, peinture jaune, le blanc, il va pogner le rail ici. Là, la viande, ça va par là. Automatiquement, tu frappes le 9, puis le 9 va tomber dans le coin ici. Ça fait qu'un tournoi call shot, ben, tu calls le 9 dans le coin. En autant que le contact il est joué correctement sur la 1, plus petit numéro sur la table. Si la 1 n'est pas là, c'est la 2. En montant de 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis la 9. Mais en tout temps, pendant une game, tu peux faire un billard, admettons la 9 et 7. Là, tu as la blanche ici. Là, tu joues un billard, tu frappes le 6 avant, puis tu cales le 9 dans le 16. Si tu ne cales pas, c'est pas bon, c'est call shot. Puis en même temps, moi, ici, je vais me protéger, je vais essayer de jouer un coup safe en même temps. Mais là, je vais forcer plus pour le 9 dans le coin, parce que la blanche, elle va poigner ici. Après le contact, puis je rentre dans le 9. Le 9, il va tomber automatiquement dans le coin ici. Parce que quand tu coupes une boule comme ça ici, la 1, ça revient ici. Après ça, elle revient ici. Elle va s'en venir ici. Puis la 1 devrait s'en venir à l'entour du site. Même qu'en cas, ben, tu manquerais ton shot, ben, tu aurais une chance que l'autre, il y aurait un coup. L'autre serait caché. L'autre joueur serait caché qui jouerait ensuite. Ben, je ne suis pas supposé de manquer ça. Il n'y a qu'à peine de frapper le 9 et il va tomber dans le coin là. C'est parfait! Comme j'avais bien expliqué, la blanche frappe le 1. La blanche, ça va sur la rail, frappe le 9. Le 9 dans le coin. Puis tu te protèges en même temps ici, mais là, admettons que j'aurais manqué le 9, je pense que la blanche a passé.
entre la 2 et la 7. Ça fait que je voulais commencer avec cette chante-là. Oh, je suis pas sûr que ça passe. Ça passe pas, là, non. Je vais frapper la 2 avant ou la 7 avant. Là. Je pense pas que ça passe. Peut-être que vous voyez pas bien à cause de l'angle, vous autres, mais le... Ça ne passerait pas, ça aurait été un bon shot. Mettons, j'aurais manqué le 9. Ben c'est ça, je voulais commencer avec ce shot-là. Lundi après-midi, 21 octobre 2024, on m'a arrêté à 4h, mais 4h moins quart, 4h, on va peut-être faire un autre shot, mais on va voir à ça. Avec ma vieille baguette de snooker. Ma vieille Cliff Toburn, 17 onces, de Frame Pro, Blue Tip, 8.5 mm, 30$. Et j'ai mon autre baguette de Spare Sit. La musique heureuse, donc c'est un gros là. Ça, c'est mon autre de Spare, c'est une vieille Dufferin, un autre vieille Dufferin. Une vieille Dufferin de 5$ celle-là, Big $5. Vanu Village, Ottawa. Hein? Regardez ça. Vieille baguette des années 70. Il n'y avait pas de tip, j'ai mis un tip dessus. Un 10 mm, celle-là. Moi, je m'étais fait un bon chocolat chaud. Il est plus bien chaud, il est rendu froid. Allez m'en faire un autre. Mais merci beaucoup. Merci ceux qui aiment mes vidéos. Puis ils m'en mettent des vidéos plus tard, comme d'habitude, avant le souper, vers l'heure du souper. Hein. Puis je reviens presque quand même à soir ici. Une couple d'heures. Ça, hier soir, dimanche soir, il est sorti du site, il était à 1h30 du matin. Puis. Les animaux de gloire, j'allais passer du temps avec eux autres. Mon renard, il est venu manger. J'ai pris bien des photos, là. C'est le même renard. C'est le même. Thank you very much. Merci encore ceux qui aiment mes vidéos. Puis, on va peut-être en faire une autre vidéo, on va voir ça. Il m'a pratiqué des games au nine ball, puis une coupe de safety shot. Puis ça, mais il faisait beau, j'étais à faire de la feuille dehors, c'est ça, jusqu'à midi et demi. J'ai pas fini avec mes feuilles encore, là. On en a fait d'autres à un autre à un moment donné. C'est ça, mais quand je cite, on va prêter dehors, puis une coupe d'heure pour ça d'après-midi, mais je m'en viens jouer au pool. À la prochaine! Thanks again!